Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Du coup, petit tuto Fortnite sur les écrans scindés. Franchement, c'est un truc qui promettait d'être lourd, quand même, à la base. Et ben en fait, l'expérience, elle est complètement nulle. Parce que premièrement, du coup, ce qu'on a fait, nous, pour être sûr, c'est qu'on a d'abord ouvert le compte PlayStation de Lixi. On a ouvert Fortnite. On est allé sur mon compte, on a fait la même chose. Dixie le joueur 1. Et en fait, on maintient la touche croix un petit instant jusqu'à ce que on apparaisse. Premier truc, c'est que Dixie contrôle absolument tout. C'est-à-dire que moi, je peux pas mettre un défi. Lui, il peut. Qu'à titre d'exemple. On est tous les deux, tu vas aller sur la boutique, c'est pareil. Tu peux pas. Donc du coup, on a lancé notre partie. Et là, vous pouvez le constater, vous aussi, il y a écrit que c'est lui le chef de la chute. Donc c'est-à-dire que c'est quand lui, il va décider de sauter du bus, que je vais descendre aussi. Et on se rend compte juste après que, en fait, il contrôle tout. C'est-à-dire que moi, vraiment, là, je ne peux rien faire. Je suis inutile. Donc, maintenant qu'il ouvre son parachute, en fait, je peux enfin faire ce que je veux. Et, les galères, ça vont continuer. Parce que déjà, là, si tu veux build fight, hein, ça va être un peu galère, je pense. On n'a pas essayé, je vous avouerai. Je sais pas si on va réessayer, voilà. Donc clairement, je veux prendre une arme, je meurs bêtement. Parce que, impossible de... Je sais pas, il y a eu un bug, j'en sais rien. Impossible de prendre mon arme, donc c'est vraiment décevant. Pour Dixie, il n'y a pas ce problème. Il peut vraiment tout faire normal. Avec quand même un peu de difficulté, je sais pas. Peut-être qu'il y a eu un bug, ou alors c'est vraiment nul. J'en sais rien. C'est parce que pour le moment, il s'en sort très bien. Il n'y a pas de problème pour ça. Il récupère ma carte, mais je vous spoil, ça va servir à rien, il faut construire, il n'y a pas de problème. Alors que même moi, ça, je pouvais pas le faire, moi, je pouvais vraiment rien faire. Vraiment, joueur 2, ça sert à rien. Donc vraiment décevant. Donc voilà, comme je vous ai dit, nous, on a d'abord ouvert le compte de Dixie. On a ouvert PlayStation, on a ouvert Fortnite, pardon, sur PlayStation. Ensuite... on a ouvert mon compte. Et du coup, en maintenant croix, on peut avoir deux personnes, nos deux personnages. Le problème, du coup, c'est que le joueur 1, il n'y a rien qui change pour lui. Le joueur 2, c'est une vraie galère. Pour nous, vraiment décevant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On fera peut-être d'autres tutos. Et du coup, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, activer la cloche de notification. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.